Salut tout le monde et bienvenue sur Stronghold Definitive Edition. Ce soir, je vais démarrer la campagne principale et originale du jeu. On va commencer la première mission. Bon, on va faire la campagne en mode normal, on va pas trop se poser de questions. Si vous voulez des campagnes en difficulté supérieure, vous vous irez sur d'autres chaînes. Voilà, moi je suis là pour une expérience tranquille. Donc, on est parti, rassemblement de soldats égarés. Mission 1. Acte 1er, le royaume déchu. Dès l'arrivée des troupes du roi en territoire barbare, des rumeurs se propagent sur un possible complot visant à renverser le pouvoir. Lorsque l'on apprend la nouvelle de la capture du roi, le pays est envahi. Plusieurs nobles, parmi lesquels votre père, tentèrent de mettre fin à l'effusion de sang, mais leur groupe fut massacré par une bande de bandits inconnus. Blessé et épuisé, vous êtes obligé de vous réfugier dans une forêt donnant sur une péninsule où un petit groupe de fidèles se trouve embusqué. Bien que le pays soit passé aux mains de l'ennemi, vous pouvez tout de même préparer la vengeance de la mort de votre père à partir de ce refuge. Première mission, rassemblement des soldats égarés. On est parti. Nous devons agir dès maintenant et battre le fer lorsqu'il est chaud. Non, 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 le peu d'hommes qu'il nous reste se ferait comme des agneaux qu'on enverrait à l'abattoir. Nous avons besoin de... Sottise, je conduirai 6 de mes meilleurs hommes en territoire avant le coucher du jour, et... Non, 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 écoutez-moi, je vous en prie. Nos hommes meurent de faim, voilà ce que nous devons faire. La discussion se poursuit jusque tard dans la nuit. Lord Woolsack vous prend alors à part. C'est Lord Woolsack, hein. Désolé, j'essaie de changer ma caméra pour la prochaine mission. M'a dit avoir bien connu votre père. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous donner votre chance. Il est temps que vous preniez votre premier commandement. Ouais, c'est vrai qu'il était chaud. Donc là, on démarre à la maison. Je démarre sur mes terres pour bien démarrer. Donc on va faire cette mission. Nous souhaitons que vous dirigiez l'installation d'un camp de base suffisamment grand. Commencez par trouver une clairière dégagée, puis servez-vous du bois pour commencer vos constructions. Vous verrez que la région n'en manque pas. Ok, donc commencez par construire 2 cabanes de bûcherons, puis 2 postes de chasse, d'accord. Si vous placez des postes de chasse près du grenier, la production de nourriture sera accélérée, ok. Si vous construisez des cabanes du bûcheron près des arbres, la production de bois sera accélérée. Bon, on est parti. Par contre, on peut pas modifier la difficulté, j'espère que je suis en normal. Normalement, oui. Placez un donjon sur le lieu d'implantation de votre château, monseigneur. Je pense qu'on n'a pas trop de choix. Placez votre grenier, sire. Alors, on va démarrer comme ça rapidement. Donc là, le but, ça va être juste de faire la mission, elle n'est pas compliquée. Hein. Le jeu va un peu vite. Bon, là, on a déjà les bûches. Hein. Je vais régler la difficulté, ça c'est cool. Je vais juste mettre en pause 2 secondes. Je vais essayer de redéployer juste ma caméra pour la suite. Voilà, j'essaie de la descendre un peu plus bas, je pense que vous serez pas gêné normalement. Voilà. Bon. Nos réserves de nourriture. Là, la priorité ça va être de rajouter encore une ou deux cabanes de chasse ici. On peut chasser plus rapidement et on aura vite les objectifs, je pense. Hein. Les réserves de notre grenier augmentent, sire. Hop, on va tout de suite le faire. Un message de votre scribe. Les éclaireurs nous ont signalé que des meutes de loups se rapprochaient du château. Nous devons rassembler des provisions. Oui, oui, je sais. Donc on voit qu'il y a un peu des objectifs. Un message de votre scribe. On a relevé des empreintes d'animaux dans la région, sire. Ah, et on avait le choix entre le nouveau conseil. J'aime pas du tout la tête du nouveau conseil, donc j'ai préféré garder l'ancien par nostalgie. Volley-volley. Là j'ai plus personne bien sûr
pour les activités, mais là on en a assez. Je vais essayer de retrouver Stronghold quand même un petit peu. Bonjour monseigneur. Ouais, ça, bonjour monseigneur, ça c'est cool. Pas d'impôts, ce sont des bons impôts. Voilà ma devise. Ah, parce qu'ils sont collés, bien sûr, à quasi. Petit oubli. Nos réserves de nourriture sont en baisse, sire. Nos réserves de nourriture sont en baisse. Après, moi, perso, l'escarmouche sur le 1, je m'en fous un peu. L'escarmouche est arrivé avec le Stronghold Crusader. Ouais, c'est pour moi, ça. C'est pas indispensable. Je sais que beaucoup de joueurs le réclament, ce que je peux comprendre. Mais c'est comme on a dit. Bon, là, le bois, vous avez vu comment on accumule. Bonjour, monseigneur. Ils ont gardé aussi les voix originales du jeu d'origine. Ça, c'est bien aussi. C'est très positif. Mioche, un chien en attente. Râleur pour le Clidus. Voilà, c'est gagné, tranquille. Première mission de fête. Victoire. Niveau de jeu 5000. Alors attention. Tandis que les hommes s'affairent à transporter les précieuses provisions dans le grenier, Sir Longarm et Lord Woolsack arrivent dans le camp à cheval. Joli travail, pas mal pour une première mission. Non, 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 l'imbécile a établi le camp en plein milieu de la piste de migration des loups. Tant mieux, cela donnera aux hommes l'occasion de s'entraîner avant la bataille. Oh, il ne me reste plus qu'à envoyer un éclaireur pour trouver une position plus appropriée. Bon, c'était la première mission, on a établi notre domaine ici, notre royaume ici, j'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour la suite de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.